auteur du livre Entre chien et loup, 2022, récit autobiographique dans lequel il racontait l'histoire d'un père autoritaire avec son fils, Anthony Delon propose un second roman. Mercredi 27 mars sortait Bastingage, relatant une histoire d'amour passionnel entre Philippe et Luna, un artiste et un top modèle espagnol. Interrogé par Le Parisien, l'auteur martèle qu'il s'agit d'une fiction. Pourtant, il n'est pas difficile de reconnaître des similitudes entre ces personnages et certains membres de sa famille. Ce qui frappe également les lecteurs, c'est un touchant hommage à Mireille Darc, ancienne compagne d'Alain Delon. Pour Le Parisien, il raconte par exemple que le cancer vécu par le personnage de Joseph fait référence à celui de sa mère, décédée en 2021. Et quand je raconte que Joseph garde son téléphone branché 24 heures sur 24 pour rester connecté au monde des vivants, si est-il une anecdote empruntée à Mireille Darc, dévoile-t-il. Une jolie référence que seule la famille Delon et les lecteurs les plus aguerris pourront comprendre. Au cours de l'interview, il admet d'ailleurs penser que la femme de Delon, c'est Mireille, et non sa mère. D'après Anthony, c'est avec elle qu'il a vécu ses plus belles années romantiques, dans ma chambre à Douchy, j'ai une photo de lui avec Mireille où ils sont vraiment heureux. Anthony Delon, qui sont les femmes de sa vie? Les relations s'améliorent depuis de nombreuses années, les relations sont compliquées au sein de cette famille déchirée. Entre Anthony Delon et son père, les échanges ne sont pas toujours simples. Pourtant, l'auteur confie au journal parisien qu'il essaie de profiter des bons moments avec lui. La semaine dernière, par exemple, on a passé trois quarts d'heure à redécorer la salle de jeu. Point. C'était un moment un peu hors du temps, a raconté le fils aîné en indiquant aussi qu'Alain Delon savait jouer son rôle de grand-père avec ses petites filles. Quant à sa demi-sœur, Anouchka, avec qui les liens sont rompus depuis quelque temps, l'auteur patiente sans vraiment savoir ce que la vie, lui, réserve. Article écrit en collaboration avec Cimedia. Crédit photo, Marco Sellacroix. Just me.